Petit aparté avant de commencer cette vidéo, si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, vous êtes déjà au courant, j'ai décidé de reprendre un vlog par jour à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 décembre. C'est un peu une forme de calendrier de l'avant-vidéo pour vous, on appelle communément ça les vlogmas. Mais oui, il y aura 24 vidéos à partir d'aujourd'hui et qui seront le plus possible sur le thème de Noël, la neige, etc. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo du jour. Salut salut, bon alors aujourd'hui il fait à peu près beau, pas trop froid, et vu que Noël approche, c'est l'heure d'aller voir la parade de Noël. Ben l'a jamais vue, il voulait la voir, j'ai dit ok, on va aller faire un tour. Le loup impatient de voir le Père Noël. On est bientôt arrivé et on est un peu en retard, mais il fallait que je travaille avant donc on n'a pas eu le temps. On y est et il y a énormément de monde. Au final, la parade a eu vraiment du retard parce qu'on n'a rien loupé du tout. Mais là, on le remonte sans gagner du temps. Parce qu'on s'entend, c'est bien joli à regarder, mais on n'a pas envie d'y passer 2 heures. La Reine des Neiges, ouais! On a vu le Père Noël, ça y est, on peut rentrer. Noël arrivant, on est obligé de s'équiper d'un élément indispensable pour attendre Noël durant tout le mois de décembre, même si on ne pourra pas le manger tout de suite et qu'on devra attendre le 8 décembre. Les calendriers Kinder. Ça y est, on les a, Noël peut enfin commencer. Et oui, vu qu'on fait notre défi un mois vegan, on pourra commencer qu'à manger ça à partir du 8. Donc le 8, on sera peut-être malade parce que ça fait un moment qu'on n'a pas mangé de produits laitiers contenant du lait animal. Bref, on verra bien. Et maintenant, je voulais vous parler d'un truc. Je veux essayer pendant ces 25 jours de vous proposer quelques petits trucs, etc. Et aujourd'hui, j'ai un truc super bien qui m'a été proposé. Oui, c'est un partenariat, mais j'en suis très contente parce que je trouve ça très chouette. Et en plus, il y a un petit truc pour vous. Il y a même plusieurs petits trucs pour vous. J'ai reçu ça. C'est un passeport qui vient de Aime ta région. C'est en fait un peu comme les Smartbox en France. Moi j'étais une adepte de ça et je le suis toujours un peu, des fois j'offre ça à ma famille. C'est par exemple, on prenait je sais pas moi, un week-end romantique et puis ils choisissaient parmi différents petits trucs qui leur étaient proposés. Là c'est un peu le même principe en mieux, perso je trouve. Il y a des restaurants, il y a des activités, il y a de la culture, des boutiques, des hébergements, etc. Il me semble qu'on peut faire qu'une seule fois les activités, mais par contre on peut toutes les faire si on a envie. On peut faire aussi tous les hébergements, tous les trucs, il y a des spas, il y en a énormément. Il y a plus de 1000 partenaires et en fait ce qu'ils proposent c'est des rabais. Donc ça commence à partir de 25% les rabais, après il peut y avoir 35 ou plus. Et sinon c'est des 2 pour 1, par exemple on peut aller faire une journée de ski, on prend cet abonnement là, on dit qu'on a cette carte là et puis on va payer qu'un forfait sur 2, ce qui est quand même plutôt cool, c'est très vite rentable. Et ils me l'ont offert pour l'année. Ils m'ont proposé aussi de vous donner un code promo qui vous enlèvera 10$, c'est CAM10. Je mettrai tout dans la description, je mettrai aussi leur site, etc. Et ils me proposent aussi de vous en faire gagner un, donc sur mon compte Instagram, parce que oui je le redis, sur Instagram c'est beaucoup plus facile de faire des concours. Sur mon compte Instagram, vous aurez une photo que je viens de publier, le lien est dans la description aussi, et vous pourrez vous aussi gagner votre passeport pour cette année. Je précise que le code promo est valable jusqu'au 25 décembre. Je trouve ça ultra cool à offrir pour des amis, de la famille. Des fois on sait pas trop quoi leur offrir, alors que là avec ça, ça donne choix à quand même 1000 possibilités. On a regardé déjà un petit peu avec Ben, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a envie de faire, comme aller faire du ski, retourner faire des glissades. Il y a d'autres activités dans Montréal, en dehors de Montréal. Il y a aussi des hébergements qu'on trouvait très très chouettes, ou même des spas, des restos. Il y a énormément de choses qu'on veut faire, c'est sûr on va en profiter cette année. Donc voilà, je suis ultra contente de faire ce partenariat parce que je trouvais ça vraiment chouette. Et puis quand on vient ici, on a envie de faire mille et une activités. Si ça peut coûter moins cher, c'est toujours un bon point. Je vais quand même l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, comment c'est fait. Oh ben, bien joué Camille. Toujours bien chiant derrière une main. Bienvenue dans la famille de Aime ta région.
Minimum de 25% de rabais chez plus de 1000 partenaires. Présentez votre carte pour obtenir un rabais. Ok, bah après c'est juste suivre les instructions. Bref, n'hésitez pas à aller dans la description pour voir toutes les infos, pour aller sur leur site. Et vraiment, je trouve que c'est un très très chouette cadeau. Sur ce, je vais maintenant tenter d'aller faire un gâteau au chocolat vegan et cette fois-ci de le réussir. Je cache la tâche. Visez comme il est beau. Il est magnifique. Chacun ses victoires, moi c'est celle-ci. Et ce sera encore une plus grande victoire au moment où j'arriverai à le démouler. Mais pour le moment, je n'y arrive pas du tout. J'ai essayé avec plein d'ustensiles, mais je n'y arrive pas. Donc il va rester là en attendant. Il est très bien aussi dans son moule. On est le 30 novembre, il fait nuit déjà, comme on l'aura remarqué. Je commence à publier les vidéos de Noël demain. Et ce soir, on fait une rencontre abonnée dans un bar pour débuter les fêtes. Et j'aimerais énormément que la prochaine rencontre soit pendant le mois de décembre, si possible avant Noël, et qu'on en fasse une avec nos plus beaux pulls de Noël kitsch. Nous sommes officiellement le 1er décembre, il est 1h passée, j'avais dit que je rentrerai de cette rencontre abonnée à 22h maximum et il est 1h, ce qui fait qu'on l'aura remarqué, j'ai raté mon objectif, mais c'était excessivement cool, j'ai adoré cette soirée, c'était vraiment chouette de vous rencontrer, un gros merci à vous d'être venus, un gros merci au bar Les Enfants du Rock de nous avoir accueillis. On remet ça très rapidement avant la fin d'année sur un thème pull kitsch de Noël, j'ai vraiment hâte, je dois l'avouer, j'ai extrêmement hâte de cette soirée. Sur ce, je vais aller me coucher parce que j'ai légèrement bu, parce que beaucoup de gens ont voulu m'offrir des shooters alors que moi j'avais pour objectif de boire seulement de l'eau ou du coca, ce qui est un peu raté, mais je vais aller me coucher maintenant pour pouvoir monter cette vidéo qui doit sortir dans 11h à peu près. Je suis pas sûre d'arriver à tenir le rythme, mais je vais tout faire pour. En tout cas, merci encore une fois à vous d'être venus, je vous dis à demain. Et puis, n'hésitez pas non plus à participer au concours parce que ça, c'est vraiment chouette et ça me fait vraiment extrêmement plaisir d'y participer. Sur ce, je vous dis à demain. Allez, bisous bisous. J'aime même pas les shooters.